Le roi Charles III n'a émis aucun commentaire sur le prince Harry, duc de Sussex, et son livre Spare. Lors de sa visite dans l'est de Londres, Charles III a eu droit à la question d'un étudiant. Le Charles III d'Angleterre a d'abord mal entendu la question, mais sa réponse a ensuite été sans équivoque. Charles III a reçu une question gênante sur Harry. Le 8 février 2023, le roi Charles III d'Angleterre était en visite à l'Université de l'Est de Londres. Le nouveau monarque a tenu à saluer les étudiants rassemblés à l'extérieur. L'un des étudiants a lancé une question pour le moins embarrassante pour le fils d'Elisabeth II. Ce dernier avait demandé au roi d'Angleterre s'il pouvait faire revenir son fils cadet, le prince Harry. Rappelons que son second fils né ne finit pas de causer du tort au roi Charles III, 74 ans, et à la royauté britannique. Le livre Spare du prince Harry, duc de Sussex, 38 ans, s'est vendu à 3 millions d'exemplaires la première semaine de sa sortie. Le livre truffé de révélations fracassantes contre les membres de la famille royale continue à faire couler beaucoup d'encre. Le roi Charles III, le prince William, Kate Middleton. Aucun membre de la famille royale n'a émis le moindre commentaire sur le contenu du livre. Cette fois-ci encore, le roi Charles III a quelque peu esquivé la question de l'étudiant. Lors de sa visite du campus de Stratford, un étudiant lui a posé la question, « Pouvez-vous ramener Harry ?» Charles III, le roi d'Angleterre a éclaté de rire sur une question sur le prince Harry à la question maladroite de l'étudiant, le roi Charles III d'Angleterre a répondu, « Qui ça ?» après avoir vraisemblablement mal entendu la question. Charles III a ensuite éclaté de rire quand il a compris de quoi il s'agissait, rapporte le Mirror. La relation entre le roi Charles III et le duc de Sussex, 38 ans, est devenue floue depuis le départ de ce dernier de la famille royale en 2020. Ses nombreux coups d'éclat effectués en solidarité avec sa femme Meghan Markle, duchesse de Sussex, 41 ans, n'ont pas arrangé les choses. Le couronnement du roi Charles III se fera en mai prochain. Tout le monde se pose la question de la présence de Harry à cet événement majeur. Cheers.